le premier tour de la présidentielle de mars 2016, la Cour constitutionnelle a en fait fixé chaque candidat sur son sort. De ces résultats, il ressort que les cinq premiers sont respectivement Messieurs Lionel Zinsou, Patrice Talon, Sébastien Germain Ajavon, Abdoulaye Biotchane et Pascal Irénée Koubaki. À cet effet, quelques citoyens se prononcent. La proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, il ne pouvait en être autrement puisque c'est la volonté du peuple, nous la respectons. C'est le peuple qui a parlé, le peuple n'aura que le dernier mot. Je suis contente parce que je voulais que, si nous on n'a pas pu aller au deuxième tour, que Talon aille au deuxième tour. Bon, c'est ce qui s'est passé et on rend grâce à Dieu. Puisque c'est le choix du peuple. Hein. Mes impressions sont très très bonnes dans la mesure où je loue la sagesse de nos leaders politiques, la sagesse avec laquelle ils ont su conduire ces élections jusque-là. Nous saluons avec vigueur. Au même moment, je suis fière d'être béninoise, très fière dans la mesure où nous constatons la maturité de nos démocraties. Le peuple a gagné. Ma joie, elle est très grande dans la mesure où le peuple est souverain. Ces résultats sont sans commentaire. Puisque vous savez que les résultats de la Cour sont sans recours. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les trois qui sont arrivés en tête, à savoir le candidat Lionel Zinsou, Sébastien Ajavon Talon, les résultats sont très, 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 très serrés. C'est ce qu'on peut remarquer. Sur le terrain, des mobilisations se font déjà sentir en faveur du candidat Patrice Talon, soutenu par les candidats de la coalition de la rupture. Et nous sommes là parce que nous portons la candidature de Patrice Talon. Et Dieu a fait notre travail à payer. Et il est au second tour. Et spontanément, les éléments, les membres de la coalition de rupture ont décidé de faire des déclarations pour confirmer leur soutien à Patrice Talon. C'est pour cela que de façon spontanée, nous avons décidé de venir les soutenir et leur dire merci d'avoir honoré à leurs engagements. Parce que nous sommes fatigués de la gabegie, nous sommes fatigués de la mauvaise gestion, nous sommes fatigués du népotisme au sommet de cet État. Pour cela, nous voulons un changement radical. Et ils sont prêts parce qu'ils nous ont promis la rupture. Et ils sont pour la rupture et nous les remercions pour ça. C'est pour cela que nous sommes là ce soir.